L'hôtel est implanté à Oléta, à 5 km à vol d'oiseau de Saint-Florent, un petit peu sur les hauteurs. Oléta est un des plus beaux villages de Corse, des plus préservés, avec des vieilles maisons, des vieilles pierres, une très vieille église, sublime église, quelques très belles propriétés, et qui domine la baie de Saint-Florent, la mer et les montagnes, les monts dits monts du Nébu. Tout a été fait, pensé, imaginé pour que ce petit hôtel, ce petit palais soit un lieu serein. Et donc le nom est venu de lui-même, ou Palazzo Sereno, le palais serein. Le choix n'était pas sur le minimalisme, mais le choix était sur le raffinement. Et quand j'ai rencontré pour la première fois Nathalie Battesti, qui est donc l'architecte d'intérieur et la décoratrice, on était d'accord sur, on avait le même regard sur cette notion de raffinement, de cette forme de pureté, de blancheur, de matériaux naturels. C'est ça la décoration. C'est ressentir un bien-être avant un décor. Et c'est des choses très simples et pérennes surtout. C'est des choses qui vont rester dans le temps, dont on ne se lassera pas, j'espère, qui vont bien vieillir, parce que l'usure est un facteur très très important dans la décoration. En fait, c'est l'essentiel. Pour moi, la décoration, c'est donner l'essentiel. Sans superflu. Ouais, sans superflu.